Du rêve, de l'imagination et de la haute technologie, le tunnel sous la Manche est l'un des projets les plus fous, les plus ambitieux que l'humanité ait jamais réalisé. Un ouvrage pharaonique évalué à plus de 14 milliards d'euros. C'est un projet qui fait rêver les ingénieurs et puis quand même en partie les populations depuis deux siècles. Pendant 8 ans, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce projet a mobilisé jusqu'à 12 000 ingénieurs, ouvriers et techniciens, français et anglais. Un chantier de renommée planétaire. On a fait notre job, normalement, je crois qu'on l'a bien fait. On est fiers de ce qu'on a fait. 11 foreuses gigantesques, créées sur mesure, ont creusé 3 tunnels de 50 km, dont 38 sous le niveau de la mer. Le tunnel sous la Manche, c'est le tunnel sous-marin le plus long du monde. Un exploit réalisé avec une technologie de pointe, bravant tous les obstacles. Tant que les choses ne sont pas faites, on n'est jamais sûr d'avoir pensé à tout. On peut avoir un doute. Aujourd'hui, le tunnel sous la Manche abrite le système de transport le plus sophistiqué au monde. Il accueille 360 trains par jour. L'Eurostar relie les gares de Paris et Londres en seulement 2h15. Les navettes peuvent transporter 180 voitures en 35 minutes de l'autre côté de la Manche. Le tunnel a rapproché les peuples. Il a changé la face de l'Europe. Les Britanniques adorent le tunnel. Ils ne l'admettront jamais, mais ils l'utilisent par millions. Mais pour en arriver là, il a fallu l'acharnement, la passion et l'inventivité de milliers d'hommes des deux côtés de la Manche. Nous avons rencontré les bâtisseurs de ce chantier hors du commun, ceux qui l'ont vécu de l'intérieur. Des ingénieurs comme Michel Lévy ou son homologue britannique Guy Lance. Des politiques comme l'ancien ministre Jean Auroux et le haut fonctionnaire John Knowlton. Les ouvriers qui ont réalisé la première jonction et marqué l'histoire, Graham Fagg et Philippe Cosette. Et aussi le chef du chantier français, Pierre Matron, surnommé le Pharaon. Ensemble, ils ont traversé de nombreux obstacles. Panne de matériel, pression des financiers, retard de livraison et inondation. Ce sont ces hommes qui vont nous raconter l'exceptionnelle aventure humaine et technologique du tunnel sous la Manche, le chantier du siècle. Le cap Griné, dans le Pas-de-Calais, côté français. En face, visible à l'œil nu, les falaises Shakespeare du sud de l'Angleterre. À cet endroit, seulement 35 km séparent les côtes des deux pays. Relier l'Angleterre au continent, c'est un rêve qui ne date pas d'hier. En réalité, il a plus de 200 ans. 1801, l'ingénieur français Jacques-Joseph Mathieu imagine déjà un tunnel composé de deux galeries superposées. Au milieu, une île artificielle pour permettre une halte aux voyageurs qui viendraient en calèche. 32 ans plus tard, le français Aimé Thomé de Gamont conçoit le projet d'un tunnel ferroviaire foré qui intéresse même Napoléon III et la reine Victoria. Mais la guerre de 1870 mettra le projet en veilleuse. 1880, le forage démarre finalement du côté français et anglais, mais il est stoppé par le Parlement britannique. Il en restera 3,5 km de galerie, comme symbole d'un rêve inaccessible. La Grande-Bretagne a été contre le tunnel pendant plus de 200 ans, pour des raisons diverses et variées. Tout d'abord, les Anglais avaient peur pour leur défense militaire. Il ne faut pas oublier que nous sommes un peuple insulaire. Au cours du dernier siècle, à chaque fois que les gens traversaient la Manche, c'était pour se faire la guerre. La France et l'Angleterre, les deux ennemis héréditaires qui se regardent avec respect et méfiance depuis des siècles. Le lien fixe avec le continent apparaît d'abord comme un enjeu culturel et politique, avant d'être un défi technique. Je pense qu'on a eu raison d'attendre jusqu'à la fin du XXe siècle pour construire le tunnel. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu réaliser ce projet au XIXe.
D'un point de vue technique, il était possible de creuser le tunnel, mais est-ce qu'il aurait été suffisamment sûr? Ça, c'est une autre question. De plus, nous savons que le tunnel est très grand. Les travaux auraient nécessité un grand investissement financier et aussi des recettes pour qu'il soit rentable. Mais à l'époque, les gens ne voyageaient pas autant qu'aujourd'hui. Au total, depuis 200 ans, 139 projets de liens fixes entre la France et la Grande-Bretagne ont vu le jour. Sans résultat. Il faudra attendre les années 80 et la rencontre d'un couple franco-britannique improbable pour que le rêve devienne réalité. En 1981, à Paris, le socialiste François Mitterrand est élu président de la République. De l'autre côté de la Manche, Margaret Thatcher, fer de lance du néolibéralisme, est au pouvoir depuis 2 ans. Au départ, tout oppose ces deux géants politiques. Pour le premier sommet franco-britannique, qui arrive très très vite après l'élection de François Mitterrand, le menu est quand même très, 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 très mince, quoi. Quel sujet va-t-on pouvoir aborder? La carte est réduite et on en vient à parler du tunnel sous la Manche. La seule chose positive qu'on pouvait dire pendant ce sommet au sujet du tunnel, c'était que les gouvernements allaient réexaminer la question. Mais on savait très bien qu'il n'y avait aucune chance que le tunnel se fasse. Et là, Margaret Thatcher a dit, à la surprise de tout le monde, pourquoi empêcher le secteur privé de construire ce lien fixe s'il le désire? Et elle a ajouté, « Je me suis toujours dit que ça serait une très bonne chose d'aller en voiture en France. » Sa réponse nous a tous laissés sans voix. Pourquoi pas? La réaction de la Dame de Fer surprend tout son monde et va lancer la machine. Avec toutefois une condition non négociable. Le projet doit être financé entièrement par des fonds privés. Je vous remercie. Et Madame Thatcher, enfin le gouvernement anglais, avait envie de montrer qu'il faisait de grands projets aussi à la philosophie libérale. Et que Mitterrand, qui avait commencé à engager le Louvre, l'Arche de la Défense, voulait aussi marquer son temps par de grandes réalisations. Mais avec une philosophie plus socialiste, si vous voulez. Et le compromis, c'était oui, on fait le tunnel. Oui, l'Angleterre n'est pas une île, mais ce ne sont pas les États qui paieront. Ce sont les capitaux privés qui financeront. C'était ça, le compromis. Donc voilà, l'idée, c'est que chacun a apporté, a fait la moitié du chemin. Et c'était l'annonce de ce qui allait se passer sur le plan technique. Un appel à projets est alors lancé en avril 1985. Et 4 projets grandioses sont déposés seulement 6 mois plus tard. Les experts ont très peu de temps pour les examiner. Des difficultés sérieuses. Nous avions seulement 90 jours pour examiner ces 4 projets en détail. Mais l'étude s'est faite dans les 2 pays. Il y a d'abord Europont, un pont tube de 38 km au-dessus de la mer. L'ensemble est soutenu par des pylônes aussi hauts que la Tour Eiffel. Estimé à 10 milliards d'euros, c'est le plus cher. Mais ce n'est pas son seul défaut. Il y a un trafic énorme et multiplier des obstacles, des piles de ponts dans une région qui est souvent chargée de brouillard ou de brume, c'était des accidents assurés. Autre projet, Transmanche Express. 4 tunnels creusés sous la terre, 2 pour la route et 2 pour les réseaux ferroviaires. Pour vérifier sa faisabilité, des études psychologiques sont même lancées. Quand vous êtes dans un parking souterrain, quand vous descendez 4 ou 5 niveaux, vous commencez à fatiguer. Là, c'est 3 ou 4 fois plus. Et donc, les psychologues me disaient que certaines personnes, et notamment, excusez-moi, des femmes, auraient eu un moment de panique et auraient posé la voiture et seraient remontées en courant. Hein. Troisième projet, Euroroute, le plus spectaculaire sans doute. C'est un ensemble de ponts et de tunnels qui relient 2 îles artificielles. C'était séduisant, un pont sur 4 ou 5 km, une île artificielle circulaire avec des duty-free, des anneaux pour mettre des yachts. C'était ce projet qui avait séduit Mitterrand. Enfin, le projet d'une liaison ferroviaire baptisée Eurotunnel,
trois tunnels de 50 km creusés sous la Manche. C'est celui-ci qui emporte l'adhésion des experts, en raison de son coût, mais au grand regret de la Dame de Fer. Je crois qu'elle était surprise et un peu déçue quand nous lui avons annoncé le choix de la Commission. Elle aurait préféré le tunnel routier. En réalité, elle avait peur que les syndicats de cheminots nous prennent en otage en faisant grève. Mais ça n'a pas été le cas. Margaret Thatcher n'est pas la seule à être déçue. En réalité, François Mitterrand lui aussi hésite encore. Jusqu'à la veille de la première signature du projet, à Lille. La veille d'aller signer, il me téléphone le soir et il me dit « Écoutez, vous m'avez un peu intoxiqué avec votre ferroviaire et votre tunnel. Moi, je veux le routier, donc demain, je n'y vais pas. » Je dis « Le gouvernement anglais, tout est prêt. » Et il me dit « Non, je n'y vais pas. » Il m'a téléphoné deux fois ce soir-là. Et ce qui emportait la décision, donc il a fini par me donner raison, c'était le juriste qui s'est rendu compte avec mes arguments, que ces deux îles étaient dans les eaux internationales et qu'il fallait des accords formels d'une cinquantaine de pays et qu'un seul septennat, même deux, ne pourrait pas arriver à les obtenir. Le 20 janvier 1986, à l'hôtel de ville de Lille, Mitterrand et Thatcher annoncent que le projet d'un tunnel ferroviaire entre la France et l'Angleterre aura bien lieu. Les deux chefs d'État vont finalement approuver un projet qu'aucun des deux n'avait choisi. C'est leur dernier compromis. J'ai l'honneur de vous informer que la Grande-Bretagne et la France ont décidé aujourd'hui de relier leurs deux pays. Le rêve va devenir réalité. Pourtant, la Dame de Fer prévient, en français dans le texte. C'est un défi. Espérons que nos ouvriers, nos entreprises, nos nations se lèveront à sa hauteur. Du côté anglais, la signature d'un traité est prévue à Canterbury trois semaines plus tard. L'ancien ministre Jean Auroux n'est pas au bout de ses peines. Aux côtés de son président, il doit aussi affronter les Anglais, farouchement opposés au tunnel. À Canterbury, la délégation française est fraîchement accueillie. J'en ai une que j'ai gardée à l'esprit quand même. La banderole disait « Hitler nous a épargnés, Auroux va nous massacrer ». Alors j'avoue qu'être comparé à Hitler, c'est difficile, mais à son désavantage, c'est vraiment très, très désagréable. Malgré toutes ces adversités, le projet est signé. Et la pression est grande. Car le tunnel, entièrement financé par des fonds privés, devra être réalisé dans les délais fixés par les investisseurs. Pas droit à l'erreur. Chaque retard coûtera des milliards de francs. Les banques, surtout, étaient très inquiètes pour d'éventuels dépassements de temps. Donc, elles nous mettaient une pression considérable. Au départ, les entreprises qui avaient conçu le projet avaient annoncé qu'il fallait 7 ans pour construire le tunnel. Certains des investisseurs trouvaient ça trop long. Alors ils ont dit « il faut faire plus vite ». La tâche qui attend les ingénieurs et les ouvriers est immense. Le tunnel, ce sont trois voies de 50 km, dont 38 sous la mer. Deux voies ferroviaires pour des trains à grande vitesse. Et au milieu, la galerie de service, reliée par des rameaux de communication. Invention originale, elle sert à l'entretien des tunnels, à la ventilation, mais aussi de sortie de secours. Deux énormes crossovers, aussi grands que des cathédrales, doivent permettre aux trains de changer de voie en cas de travaux ou d'accident. Parallèlement au tunnel, deux gigantesques terminaux doivent être construits, à Coquel du côté français et à Folkestone du côté anglais. Un chantier, aux dimensions hors du commun, risqué pour les bâtisseurs. C'est là le propre du métier des travaux publics et des tunnels en particulier, c'est que, je dirais, on vend un saucisson qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas allé sous la mer encore.
Les risques pour un tunnel qui passe sous la mer sont beaucoup plus grands, tout simplement parce qu'il y a plus d'eau. Et s'il y a des inondations, les conséquences sont beaucoup plus catastrophiques. Il y a eu des cas d'inondations, notamment dans le premier tunnel subaquatique du monde, le tunnel qui passe sous la Tamise. Il y a eu au moins deux inondations graves. Sauf que dans le cas du tunnel sous la Manche, c'est la mer qui se trouve au-dessus. Le premier défi de taille est celui des géologues. Il faut déterminer la couche géologique la plus adaptée pour le forage. Les ingénieurs vont opter pour un tracé dans la craie bleue, imperméable et idéal pour le forage. Elle est située à 100 mètres du niveau de la mer, entre une couche d'argile et une couche de craie blanche. Ça, c'est des craies qui sont très perméables, donc avec beaucoup de venue d'eau. Donc, gros problème. Donc, la bonne couche, c'était la craie bleue. Et si on veut rester le plus longtemps possible dans la craie bleue sans être trop profond sous le détroit, ben, c'est ce tracé-là qui est le meilleur. Alors, concevoir le tracé, c'est une tâche très compliquée. Il faut en fait se faufiler dans la couche de craie bleue, mais entre les forages qui ont déjà été faits, et il y en avait une bonne centaine, les forages plus anciens étaient très mal connus, et généralement ils n'étaient pas rebouchés. Donc il fallait les éviter, parce qu'on risquait de se retrouver directement en communication avec la mer. Et ça pouvait présenter un risque important pour le chantier. 1986, le coup d'envoi est donné. Le site français, le voici. Une immense plaine de 800 hectares aux alentours de Sangatte et Coquelles, deux petites bourgades situées à 120 km de Lille et toutes proches de Calais. Ce qui était encore il y a quelques mois des pâturages isolés devient le théâtre d'un chantier titanesque. Les travaux sont assurés par un consortium franco-anglais appelé TML. Ici, tout se fait dans la démesure. Et d'abord les hommes. Conducteurs d'engins, grutiers, géomètres, mécaniciens, fraiseurs, maçons, terrassiers, soudeurs, électriciens, sans oublier les cuistots. Qu'ils soient ouvriers ou ingénieurs, en tout plus de 200 métiers sont représentés. Le projet apporte jusqu'à 5000 emplois du seul côté français. Une bénédiction pour la région du Nord-Pas-de-Calais, sinistrée par le chômage. Alors ici, c'est l'enthousiasme. D'autant que le chef du chantier, Pierre Matron, choisit de jouer la carte locale. On a décidé que ce chantier serait ancré dans le tissu local et régional. C'est-à-dire que ce chantier, ça serait le chantier du Nord-Pas-de-Calais. On avait prévu d'embaucher 75% de personnes sur place. On est arrivé à 95%. Pourquoi 95%? Parce que on avait décidé en même temps de travailler avec les collectivités territoriales, avec le conseil général, avec le conseil régional, avec les communes. Et ensemble, on a mis un plan de formation ambitieux. Les travaux du tunnel sous la Manche peuvent commencer. Tout est organisé autour d'un puits aux dimensions hors normes. Le puits de Sangatte. Profond de 68 mètres et large de 55, il pourrait engloutir à lui seul l'Arc de Triomphe. C'est le poumon de tout le système. Côté français, tout doit passer par ici. Hommes, machines, béton et bientôt les rails. Mais le puits de Sangatte attend ses stars. Des machines extraordinaires au cœur de tout le projet. Ce sont les tunneliers. Des énormes engins pesant jusqu'à 1200 tonnes, conçus pour broyer la craie bleue de la Manche à raison de 500 mètres par mois. Ils ont été construits sur mesure aux États-Unis et au Japon. Coût de chaque machine, 50 millions d'euros. Ils deviendront l'emblème de ce chantier du siècle. Je me souviens, quand le premier tunnelier va arriver, il arrive par la mer, il arrive des États-Unis, et il y a des centaines de personnes sur le port de Calais qui assiste au débarquement du tunnelier qui se fera en 48 heures. Et là, les gens se disent, oui, cette fois-ci, ça y est, quoi. Puisque la machine est là, qu'elle coûte des millions, c'est pas possible, cette fois-ci, ça y est.
Les tunneliers sont descendus pièce par pièce par le puits de Sangatte et sont ensuite assemblés. 6 du côté anglais, 5 du côté français. Ils doivent forer plus de 150 km de tunnels et de galeries. 3 tunneliers opèrent sous la mer. Les autres creusent la liaison vers les terminaux d'embarquement. La tête de forage, une broyeuse de 8 mètres de diamètre, la hauteur d'une maison de 2 étages. Les déblais sont ensuite évacués par une vis sans fin sur un tapis roulant. Direction les wagonnets d'évacuation, comme dans les mines. Un convoi de 250 mètres. Les quantités de roches à extraire sont considérables. En tout, plus de 3 fois la pyramide de Khéops. Du côté anglais, c'est à Folkestone que tout se passe. Au pied des falaises, cette plateforme, qui n'existait pas un an plus tôt. Elle est créée avec les déblais de roche extraits par les tunneliers et sert d'espace de stockage. Une idée de génie qui permet par la même occasion à l'Angleterre de s'agrandir de 36 hectares. De part et d'autre du Pas-de-Calais, les équipes foncent. Elles creusent maintenant sous le niveau de la mer. Et les hommes le savent, toute erreur sera fatale. Les trains vont et viennent dans le tunnel. Ils évacuent la roche et amènent aussi son enveloppe, les voussoirs. Ces éléments en béton préfabriqué vont former une voûte extrêmement solide, une véritable armure. Les voussoirs sont posés un à un par un bras érecteur. Chacun d'eux est large d'un mètre et pèse le poids d'un camion. Spécialement conçus pour le tunnel, leur béton est plus résistant que celui utilisé pour les centrales nucléaires. En tout, 1 million de tonnes de ce matériau très spécial a été utilisé, soit 3 fois l'Empire State Building à New York. C'est véritablement une usine, c'est mécanisé. Et le personnel qui est employé là, c'est je dirais un peu comme le personnel de sous-marin, ce sont des personnes très qualifiées. C'est du haut niveau. Pour chaque machine, un équipage de 35 hommes. Ils occupent leur poste pendant 8 heures, avant d'être relayés par une nouvelle équipe. Dans ce milieu 100% masculin, le tunnelier, c'est aussi la seule présence féminine sous terre. Tous les tunneliers ont des noms féminins. Et je pense que le premier s'appelait Brigitte, parce que Brigitte, c'est le prénom de l'épouse de Pierre Matron. Brigitte, Catherine et Europa commencent à forer côté français. Au même moment, les travaux commencent aussi du côté anglais. La rencontre est prévue dans 2 ans, à 100 mètres sous la mer. Environ 3000 ouvriers de chaque côté de la Manche vont creuser 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Qui arrivera le premier au point de jonction? C'est le début d'un véritable match qui oppose l'équipe anglaise en combinaison orange et les Français en beige. Les deux côtés, le chantier britannique et le chantier français, observaient de très près les progrès des uns et des autres. Il y avait une rivalité, ça ne faisait aucun doute. Vous savez bien qui étaient les meilleurs. Les Britanniques, bien sûr. Bah, les Anglais sont les mêmes. Hein. Les Anglais, quand on joue au rugby, je suis un fanat de rugby, j'ai beaucoup joué. Quand on est battu, ils vous serrent la main, ils disent « good game hein. ». C'est très bien. Mais pendant le match, il faut se méfier. Le chantier britannique démarre sans difficulté. Les Anglais avancent bien, et ce n'est pas qu'une question d'orgueil national. La compétition existait même entre les différentes équipes. Chaque équipe voulait être meilleure que la précédente, poser plus de voussoirs. Donc la compétition ne se jouait pas uniquement entre la France et la Grande-Bretagne, mais aussi entre les ouvriers. Il fallait poser un certain nombre de voussoirs et en fonction, on touchait des primes. Plus on posait de voussoirs, plus on gagnait de primes. Pour les Anglais, tout s'annonce plus facile. Leur terrain est plus régulier et ne montre pas de fissures. Les Français, en revanche,
partent avec un lourd handicap. Leur terrain est très fragile et criblé de failles. Mais l'équipe de Pierre Matron a tout prévu. Là, le terrain est fracturé et la faille rejoint le niveau de la mer, donc l'eau s'infiltre, ou peut s'infiltrer. Donc nos tunneliers étaient conçus comme des sous-marins permettant de traverser ces failles. Le problème, c'est que des tunneliers capables de travailler sous 100 mètres de hauteur d'eau, ça n'existait pas. Et donc l'idée a été de construire ou de faire construire des prototypes de tunneliers qui seraient capables de travailler sous une pression de 100 mètres de hauteur d'eau. En utilisant de nouvelles machines spécialement conçues, les Français doivent essuyer les plâtres. Les pannes s'enchaînent et les retards s'accumulent. Et c'est surtout le tunnelier Brigitte qui pose problème. Je me souviens d'une panne, il y avait une dent qui avait cassé. Il a fallu sortir à l'extérieur et aller avec les marteaux piqueurs le décoincer. Ça a duré pendant 3 jours. On a décoincé toute la jupe pour pouvoir continuer notre travail. Il fallait être prêt pour tout. Il fallait au claquement de doigts, il fallait que tout soit prêt. On ne pouvait pas se permettre le luxe de perdre une heure à attendre tel ou tel matériel. Les pannes, nombreuses, seront résolues, parfois même en concertation avec les constructeurs japonais et américains. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Du côté français, on avance dans la douleur, lentement, mais sûrement. Et ces tunneliers, ils auraient pu aller jusqu'en Angleterre, jusqu'à Douvres, sans problème. Alors que l'inverse, c'était pas vrai. Parce que les tunneliers anglais ont été conçus, à juste raison, pour travailler essentiellement dans la craie bleue, la craie homogène, sans faille, un terrain réputé facile. Au bout d'un an, un premier bilan. Les Anglais ont progressé de 4 km et les Français d'un seul. Mais voilà, gros coup de frayeur du côté anglais. Contre toute attente, de l'eau s'infiltre dans le tunnel. Malheureusement, la mer n'était pas uniquement au-dessus de nos têtes. L'eau rentrait aussi dans le tunnel. Parfois, on avait de l'eau jusqu'aux genoux. Le bas de nos tunneliers était complètement ouvert. Alors, quand l'eau a commencé à s'infiltrer dans le tunnel, ça posait un gros problème, parce que les machines risquaient de se retrouver inondées. Il fallait donc trouver un moyen pour rendre les machines étanches. L'ensemble du système électrique de nos tunneliers était en danger. Le problème, dans le tunnel, tout fonctionne à l'électricité, seule source d'énergie disponible sous terre. Il fallait surtout éviter que les pompes ne prennent l'eau, parce qu'elles devaient justement dégager l'eau du tunnel. Si les pompes avaient lâché, ça nous aurait vraiment causé de grandes difficultés. Une fois que le tunnel est noyé et que tous les appareils électriques sont hors service, il faut encore des années pour reprendre les travaux. J'ai compris qu'on avait un vrai problème. Comme la roche commençait à s'effriter sous l'effet des infiltrations, il nous fallait aussi solidifier la structure du tunnel avant de pouvoir poser de nouveaux voussoirs. Et ces travaux de stabilisation du terrain nous ont considérablement ralenti. Oubliez la compétition avec les Français. Pour les Anglais, il faut à tout prix sauver le projet. La pression est grande. Les banquiers regardent la montre. Les délais étaient fixés par les contraintes financières. Et plus on mettait de temps à faire les choses, plus ça devenait cher. On était très stressés par les objectifs à tenir. Pour les Anglais, 1989 est l'année de tous les dangers. Pendant 9 mois, ils travaillent sous l'eau et perdent du temps. En juin 1990, c'est enfin le soulagement. Le terrain devient plus sec, le tunnel est sauvé. Mais plus droit à l'erreur, il leur reste encore 6 mois pour faire plus de 4 km et arriver enfin au point de jonction. Mais derrière les machines, il y a surtout les hommes. Solidaires et passionnés par le chantier, ils partagent les bons moments et les galères à 100 mètres sous la mer.
Comme dans les mines, les ouvriers accrochent leurs vêtements dans la salle des pendus. Ils déposent leurs jetons de présence sur un tableau. Des ascenseurs géants les amènent ensuite sous terre. Et c'est parti pour une journée de 8 heures de travail dans un milieu hostile. Lorsque j'ai commencé, je me suis dit qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère. Ouais, moi, j'avais toujours connu le travail extérieur et le fait d'aller travailler sur un tunnelier comme ça, sous terre, ça change carrément la vie. Puis là, vous enfoncez sous la terre, claustrophobe, s'abstenir quand même. Là, vraiment, moi, je... Plus le forage avance, plus les temps de trajet s'allongent. Vers la fin, Philippe et ses collègues passeront une heure et demie dans des petits trains de service appelés drésines, avant d'arriver sur leur lieu de travail, les tunneliers. Ça travaille en 3-8, vous savez, il fait très très chaud dans le fond. Il nous arrivait souvent de travailler à une température supérieure à 30 degrés. On bosse beaucoup parce que les cadences sont très fortes. On était à 30 degrés et puis on remontait en surface et on pouvait en plein hiver remonter à moins 10. Donc ça faisait des grosses transitions de température. Et je me souviens, même lorsqu'on arrivait en surface, on fumait, nous. On fumait de vapeur. Une cadence d'enfer sous des températures élevées. Les conditions de travail sont les mêmes côté français et anglais, à quelques différences près. J'étais frappé par les différences entre les deux chantiers. En Grande-Bretagne notamment, les ouvriers portaient des uniformes de mineurs. Ils étaient orange et moche. On aurait dit des pyjamas de bébé. Ils n'avaient ni le droit de fumer, ni le droit de boire, en fait. Ils pouvaient être licenciés s'ils étaient pris sur le fait. Du côté français, en revanche, c'était complètement différent. Les uniformes français avaient été spécialement conçus. Ils étaient très saillants, avaient des bandes bleues et rouges. Je crois que les ouvriers avaient droit à 25 centilitres de vin tous les jours. Et la cigarette était presque obligatoire. C'était comme ça. 20 et cigarettes pour les Français. Tea time pour les Anglais. Malgré les différences culturelles, l'enthousiasme est le même sur les deux chantiers. Ils ont vraiment eu l'impression, non seulement de travailler, ça c'est pas une impression, ils ont vraiment travaillé, mais ils ont eu le sentiment plutôt que l'impression, ils ont eu le vrai sentiment justifié de vivre une aventure hors norme. C'est aussi ça le chantier du siècle dont on parlait, c'est que les gens sont pris, les gens qu'ils font sont aussi pris dans l'accomplissement de ce rêve. L'accomplissement du rêve, justement, est dans toutes les têtes. La jonction va-t-elle se faire à 100 mètres sous la mer, à l'endroit et au moment prévu? À l'approche du jour J, l'attention monte aussi dans les bureaux des ingénieurs. La jonction est leur souci majeur et leur donne des sueurs froides. La plaisanterie traditionnelle des entreprises de tunnels dans le monde entier, c'est de dire « si on ne se rencontre pas, on continue et vous avez deux tunnels pour le prix d'un ». Établir le tracé sous la mer est une tâche compliquée. Impossible d'utiliser le GPS car la liaison satellite ne passe pas sous terre. Pour réaliser la jonction, la marge d'erreur entre les deux tunnels est de seulement 2,50 m. Sinon, les trains ne pourront pas circuler à grande vitesse. On s'est aperçu que les Français trouvaient à peu près la même chose comme position du tunnelier français, et les Anglais trouvaient une position qui était différente de 4 mètres, dans le sens latéral. Le tunnel commençait à dévier de 4 mètres et on était encore à plusieurs kilomètres de du percement. Des mesures sont faites régulièrement, segment par segment, à l'aide de rayons laser pour vérifier qu'on est sur la bonne voie. Et l'erreur peut venir de petits détails. C'est ce qui est arrivé côté anglais. Du côté britannique, nous avions un problème au départ parce que nous prenions nos mesures sur un seul côté du tunnel. Mais la chaleur dans le tunnel faisait dévier les rayons laser, ce qui faussait nos mesures. Mais la difficulté d'une galerie de grande longueur comme ça, quand vous la creusez, c'est qu'une toute petite imprécision
qui s'additionne à une autre imprécision, et ça tous les 100 mètres pendant comme ça 10 km, ça peut finir par aboutir à des difficultés de précision. Un risque de 4 mètres d'écart. L'erreur, qui aurait pu être fatale pour le projet, a été corrigée, mais le suspense demeure. Les inquiétudes sur la jonction vont subsister jusqu'à la fin. Tant que les choses ne sont pas faites, on n'est jamais sûr d'avoir pensé à tout. Donc même si on a fait le maximum, même si les gens sont très professionnels, même si on a vérifié, les choses ne sont pas faites, on peut avoir un doute. Décembre 1990, au bout de 2 ans de forage, c'est l'instant de vérité. Les deux équipes vont-elles se rejoindre sous la mer? Et surtout, l'écart maximum de 2,50 m sera-t-il respecté? 15 jours avant la première jonction, c'est la jonction historique que j'ai vécue, 15 jours avant, on me disait « vous n'allez pas y arriver ». Pour se mettre à l'abri des mauvaises surprises, les ingénieurs décident de faire un test à 80 mètres du point de jonction. On a fait un forage qui a permis de s'assurer de la position des deux tunnels. Ça y est, on a trouvé les Anglais, ils sont là, juste en face de nous, à quelques 100 mètres. C'est ça qui nous a vraiment rassurés. Quelques semaines de travail encore, et les deux monstres d'acier aux couleurs de la France et de la Grande-Bretagne sont enfin face à face, séparés par quelques centimètres de roche. Après 2 ans de travail acharné, les deux équipes retiennent leur souffle. Le 12 décembre 1990. Tout est alors prêt pour le grand événement médiatique. Choisi par tirage au sort, c'est à Philippe Cosette du côté français et à Graham Fagg du côté anglais que revient l'honneur de franchir les derniers centimètres. C'était beaucoup plus difficile de casser les derniers centimètres de roche que je n'avais imaginé. Je transpirais. J'avais vraiment très chaud. Ensuite, nous avons ouvert un petit trou. J'étais très heureux de voir Philippe. Et à ce moment-là, donc, j'aperçois Graham. De l'autre côté, on me faisait signe, venez, venez, venez. Alors, j'ai passé ma tête de l'autre côté. Et puis après, bon, c'est Graham qui a passé sa tête. Et puis, on a fait le premier échange des drapeaux. Lui, il m'a dit « Bonjour, mon ami ». Puis moi, je lui ai dit « Welcome to France » parce qu'on était bien en France. Vive la France! Vive l'Angleterre! Ça, c'était beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté. Oh, la foule criait de joie. Tout le monde applaudissait. C'était vraiment extraordinaire. Plusieurs avaient la larme à l'œil. Certains ont prétendu que c'était le courant d'air, l'air britannique qui les avait frappés. J'ai eu une petite poussière qui venait d'Angleterre dans l'œil, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Wonderful. La première jonction sous la mer était merveilleuse. C'était une journée très stressante et chargée d'émotions. Mais cet événement a vraiment changé le regard de tout le monde sur ce projet. On l'avait finalement, ce tunnel. Et désormais, on pouvait aller de Grande-Bretagne en France par la terre ferme. Pour les bâtisseurs, le pari est gagné. Il s'avère que l'écart d'alignement entre les deux parties de tunnel n'est que de 35 cm. L'Angleterre n'est plus une île. La poignée de main de Philippe Cosette et Graham Fagg, à 100 mètres sous la mer, a eu lieu exactement à 12 heures, 12 minutes et 12 secondes. Reste une toute petite pointe d'amertume pour les Français. Le tunnelier anglais a dépassé le point de jonction et a franchi la frontière française. Je me souviens d'un dîner de fête quand le chef du chantier français, Pierre Matron, s'est levé pour dire « Pour l'instant, le score est de 1-0 pour les Britanniques. Mais il reste encore une mi-temps. » Mais c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Et en effet, le prochain tunnelier à franchir la frontière était français. Il reste les deux principaux tunnels ferroviaires à terminer. 6 mois plus tard, la jonction se fait dans le tunnel nord avec l'arrivée du tunnelier Europa.
pour la jonction du tunnel sud, les deux équipes arrivent en même temps. À chaque fois, c'est l'occasion de comparer les scores. C'était un match que nous avons gagné sur certains tunnels, qu'on gagnait sur d'autres. Résultat de la compétition franco-anglaise. 87 km de tunnel pour les Britanniques. Ils sont à 6 km de leur objectif initial. Les Français, eux, ont creusé 64 km, soit 6 de plus que prévu. Les machines sont à bout de souffle. Trop usées pour creuser davantage, certaines sont enterrées sur place. Et les autres partent à la casse. Le forage des trois tunnels s'est achevé avec 3 jours d'avance sur le premier échéancier, établi en 1985. Un chapitre important de l'extraordinaire aventure se termine. Mais c'est loin d'être fini. D'autres défis attendent encore les bâtisseurs. Ce que nous ne savions pas à l'époque, et je ne dis pas ça par manque de respect pour les ingénieurs, c'est que le forage était la partie facile du projet. Faire de ces tunnels un système de transport ferroviaire était un immense défi. Le but du projet était de construire un système de transport avec tout ce que ça implique. La jonction était évidemment une étape importante, mais c'était seulement une étape. Pour certains, le travail ne faisait que commencer. Toute l'infrastructure ferroviaire restait encore à construire. Les systèmes de sécurité, les systèmes de refroidissement, le système anti-incendie. Bref, il restait encore plein de choses à faire. On avait complètement sous-estimé la difficulté et les coûts. Pour l'instant, il existe 3 tubes à l'état brut, forés dans la roche. Il s'agit maintenant d'en faire le système de transport sous-marin le plus sophistiqué du monde. Il devra accueillir 4 types de trains. L'Eurostar, train à grande vitesse pour relier Paris et Londres. 2 navettes, une pour les voitures, l'autre pour des camions poids lourds. Et les trains de marchandises, qui circulent surtout la nuit. Les trajets se feront de manière circulaire. Les trains vers l'Angleterre emprunteront toujours le tunnel nord, ceux en direction de la France, le tunnel sud. Les constructeurs ont 2 ans pour réaliser, équiper et mettre en service la ligne. Et tout est complexe, car l'ouvrage ne se limite pas à ces seuls tunnels. Il y a environ 420 ouvrages transversaux sur la totalité du tracé. Donc, ce qui fait en moyenne un ouvrage tous les 110 mètres. Et tout d'abord, les plus impressionnants. Les postes d'aiguillage, appelés crossover. Immense cathédrale souterraine de 155 mètres de long. Ces crossovers permettent au train de changer de voie en cas d'incident technique. Les galeries de communication sont également creusées entre les tunnels ferroviaires et la galerie de service. Elles sont sécurisées par des portes blindées. Pour permettre au train de circuler à 160 km/h, les concepteurs inventent un système original. Ces galeries transversales, appelées rameaux d'antipistonnement, elles permettent d'absorber la pression de l'air. Entre un train qui circule à l'air libre et un train qui circulerait dans un tunnel sans rameaux de pistonnement, le rapport des puissances nécessaires est de 1 à 4. Si vous créez des rameaux de pistonnement, vous divisez par 2 la puissance nécessaire. L'équipement électromécanique du tunnel va se dérouler sur 2 ans. C'est une tâche considérable pour les ingénieurs et les ouvriers. Les mots d'ordre, modernité, vitesse et sécurité. Les ingénieurs doivent faire preuve d'imagination et inventer sans cesse des machines spéciales, adaptées aux besoins du tunnel. L'une des plus remarquables, le Diplodocus. Cette machine de 60 mètres va nettoyer le tunnel avant la pose des rails. Donc cette machine est une machine tout à fait exceptionnelle. Elle était capable de bétonner avec une très grande qualité, une très grande précision et à très grande vitesse. Parallèlement à la pose des rails et de l'équipement électrique dans le tunnel,
la conception des navettes ferroviaires est sur le point d'être finalisée. Là aussi, c'est du jamais vu. Pour ce tunnel, tout est fabriqué sur mesure. Concilier grande capacité, grande vitesse et normes de sécurité pose un véritable défi aux concepteurs. Au final, l'équipement électromécanique d'un seul wagon de navette est aussi complexe que celui d'une cabine d'un Boeing 747. Dans chaque wagon de navette, vous avez 50 km de câbles. Ce sont des wagons qui sont bourrés d'automatismes pour la ventilation, l'éclairage, la sécurité, la communication avec le conducteur, avec les chefs de train. Les mises au point se succèdent, sans cesse. Chaque changement doit être validé par la commission intergouvernementale franco-britannique, très exigeante sur la sécurité. Un véritable casse-tête. Quand un bras de fer s'engage, il peut durer pendant des mois. Comme celui sur la largeur des portes intérieures des navettes. Pour être adaptées aux fauteuils roulants, elles doivent être élargies de 10 cm. Des matériels prototypes, ça vous coûte une fortune. Ce qui aurait été logique, c'est que lorsque Eurotunnel a présenté son projet, on sache exactement le type de matériel roulant, comment serait fait le shuttle, comment serait... Alors qu'il n'y avait rien. Pour les bâtisseurs, c'est le début d'une spirale infernale et d'une course. Ils doivent constamment s'adapter aux nouvelles consignes des commanditaires. Et ça va coûter très cher. Il y a eu trop de modifications et trop de changements du système qui était prévu. Avec le souci de l'ingénieur ou des responsables d'adapter les dernières techniques au point. Mais le problème, c'est que on a commandé les équipements de base. Ils sont là. Donc il faut les modifier ou les remplacer. C'est la voie ferrée la plus chère du monde. Franchement, les lignes à grande vitesse de TGV, c'est Paris-Roubaix, c'est les pavés du Nord à côté, quoi. Donc, ça coûte, c'est phénoménal d'avoir accepté sur des tronçons de 50 km qu'on pose des voies aussi chères. Les constructeurs l'ont reconnu, c'est de la folie, quoi. C'est de la mégalomanie, la folie des grandeurs. Folie des grandeurs, peut-être. Mais le tunnel est prévu pour devenir la voie ferrée la plus chargée au monde. Toujours est-il que la course à la modernité entraîne des retards considérables et pose des soucis logistiques aux bâtisseurs. Un tunnel de 50 km, vous pouvez rentrer par un bout et simplement par l'autre bout. Vous ne pouvez pas accéder sur les côtés. Donc quand vous voulez changer un tuyau ou une vanne, à un endroit donné, il faut envoyer un mobile, c'est-à-dire un train, et là on bloque le tunnel pour l'instant-là. Au fur et à mesure qu'on construisait le tunnel, on le définissait, on l'optimisait. Ce qui s'est passé, c'est que les constructeurs disaient « Mais où est-ce que vous nous emmenez ? Qu'est-ce que vous voulez, quoi ?» Et Eurotunnel avait répondu à un moment « Vous connaîtrez la définition du tunnel quand il sera mis en service. » On était incapable, compte tenu des modifications en cours, incapable de faire un programme à l'avance. Incapable. On avançait au jour le jour. Là. Au moment où les bâtisseurs essaient coûte que coûte de tenir les délais, les terminaux d'embarquement des voitures et des camions émergent de la terre, des deux côtés de la Manche. Le terminal de Coquel, côté français, représente l'équivalent de l'aéroport de Roissy. Et Folkestone, du côté anglais, fait 1/8 de l'aéroport de Heathrow à Londres. Pour construire ce terminal, les ingénieurs font même déplacer toute une forêt du Kent à laquelle les Anglais tiennent beaucoup. Les retards s'accumulent. Pour les responsables, c'est la course contre la montre. L'inauguration du tunnel est prévue pour 1993, en présence de la reine Elisabeth II et du président Mitterrand. Pas question de manquer ce rendez-vous. J'étais très nerveux à l'approche de l'inauguration. Vous savez, on ne peut pas simplement finir les travaux, passer un coup de fil à l'Élysée et à Buckingham Palace et leur dire « c'est terminé ». Voulez-vous bien venir inaugurer le tunnel ? Il faut les prévenir longtemps à l'avance. Et dans le cas du président Mitterrand et de la reine Élisabeth, il fallait les prévenir 2 ans à l'avance. Donc on devait être sûr que le tunnel soit terminé à ce moment-là. La pression est au maximum. Le rendez-vous crucial entre la France et la Grande-Bretagne est finalement reporté d'un an. Le tunnel se fait attendre.
6 mai 1994. Enfin le grand jour. Le tunnel sous la Manche est enfin inauguré. La cérémonie a lieu au terminal de Coquelles, en France. Les premiers passagers de la navette en provenance de Grande-Bretagne sont la reine d'Angleterre, Elisabeth II, et le président François Mitterrand. Un mois après le coup de ciseau, les trains commerciaux commencent à circuler. Le premier Eurostar part en novembre de la même année. Pour le tunnel sous la Manche, c'est l'heure du bilan. Si le projet est sans aucun doute un exploit technologique, il fait grincer des dents ses commanditaires. Un an de retard et un dépassement de 8 milliards d'euros. Au total, le tunnel aura coûté 14,3 milliards. Quand j'ai dit au président d'Eurotunnel de l'époque, est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait fallu s'arrêter et que ça aurait permis de minimiser la dérive des coûts, il m'a dit, c'est juste, on aurait dû s'arrêter un an pour définir le projet, mais si on s'était arrêté, on ne serait jamais reparti. Après le casse-tête technologique et les déboires financiers, le tunnel sous la Manche n'est pas au bout de ses peines. Car au début du lancement, les passagers ne sont pas aussi nombreux que prévu. Ce qui inquiétait les gens, c'était surtout le risque d'inondation, pour la simple et bonne raison que le tunnel se trouvait sous la mer. Résultat, la faiblesse des recettes coûte cher à environ 800 000 petits épargnants qui avaient acheté des actions Eurotunnel. Ils doivent faire face à des pertes considérables, et même à la ruine pour ceux qui avaient misé toutes leurs économies. Ce sont eux, les grands perdants de l'épopée du tunnel sous la Manche. Aujourd'hui, les mêmes actions, elles valent 7, 8, 9, 20 fois moins. Ce n'est pas des gens fortunés qui ont mis leurs primes X, Y et tout, qui ont tout mis sur les conseils de leurs banquiers, quoi. Mais petit à petit, le tunnel sous la Manche trouve sa place au milieu des ferries et des vols low-cost qui relient la Grande-Bretagne au continent. Les difficultés du début se font vite oublier. Rapidité, sécurité et confort, les liaisons par le tunnel sont de plus en plus plébiscitées. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Un incident intervient tout au fond du tunnel. Le 18 septembre 1996, un convoi de camions doit relier la France et l'Angleterre. Un incendie éclate dans une remorque. Le train s'arrête à 19 km du portail français. À bord, 31 passagers et 2 membres d'équipage. Vous prenez de la vitesse avec un feu, et avec la ventilation, vous ne faites qu'attiser le feu largement. Et donc, d'ailleurs, si vous arrêtez le convoi, eh ben vous avez toute la fumée qui vous revient devant. Donc, je crois qu'il y a eu un sentiment de panique. Mais bon, le système tel qu'il avait été conçu, lui, il a parfaitement fonctionné. Le système de sécurité est au point. Dès qu'un feu est détecté, le train s'arrête au plus près des rameaux de communication et permet aux hommes de s'enfuir dans la galerie de service. Les 33 personnes ont passé plus de 25 minutes dans la fumée, mais en sont sortis indemnes. Bilan, aucun mort, mais des dégâts impressionnants. Pour les hommes du tunnel, c'est un épisode marquant. Évidemment, c'est impressionnant parce qu'il y avait des chemins de câbles qui avaient fondu. On s'est cru, c'était plein de sortes de toiles d'araignées, si vous voulez. On se croyait dans une grotte de sorcières. Puis après, il faisait très chaud, très très chaud. Ça a bien, bien brûlé. Ça, c'est sûr, j'y suis descendu. Et c'était sacrément, les galeries, c'est phénoménal, quoi. Le béton avait fondu, la ferraille s'était tordue. Bon, on ne voyait plus rien des wagons, des navettes, des camions. Hein. Il n'y avait plus que des carcasses déformées. Donc, on a dû passer, je ne sais pas quelle température on a pu atteindre, mais on a passé les 1000 degrés. Hein. Pour tous ceux qui ont participé, ça nous a fait un choc, parce que bon, ce tunnel, c'est un peu notre bébé à nous. Et de le voir abîmé comme il était, jamais on pouvait imaginer qu'un incendie pouvait avoir cet effet-là sur les parois d'un tunnel. Ça nous a touchés. Ouais. Les travaux de remise en service coûteront plus de 46 millions d'euros. Grâce au crossover, la circulation continue sur les autres tronçons. 12 ans plus tard, en septembre 2008, un deuxième incendie se déclare. C'est à nouveau un camion qui prend feu. Là encore, pas de mort. Malgré un système de sécurité déjà à la pointe du progrès, Eurotunnel y ajoute une mesure supplémentaire, par précaution.
Quand on gère 20 millions de camions depuis l'ouverture du tunnel, ce risque existe. Nous l'avons traité en inventant un système d'extinction à l'intérieur du tunnel. C'est un système d'aspersion par de l'eau sous pression qui a pour effet de contenir le feu autour du camion qui brûle pour permettre aux services de sécurité d'intervenir et de l'éteindre de façon traditionnelle. Aujourd'hui, plus de 200 ans après les premiers projets, le tunnel est devenu le tronçon ferroviaire le plus sûr et le plus fréquenté au monde. Il a survécu à des réticences politiques, des inondations, des retards de fabrication, des difficultés financières et même à 2 incendies. Et depuis l'année 2006, Eurotunnel fait des bénéfices. Le tunnel a radicalement modifié le paysage, surtout du côté français. Il faut dire que le projet est arrivé à un moment stratégique de l'histoire du Nord-Pas-de-Calais. Il a permis à la région de relever la tête. Au moment où la partie anglaise et la partie française se rejoignent sous la mer, sous la Manche, on extrait à quelques kilomètres de là la dernière gaillette de charbon. Ça veut dire que le nord industriel s'efface dans la douleur et qu'arrive au moment du tunnel ce que Pierre Mauroy a appelé le nouveau nord. Eurotunnel, c'est une société qui fait aujourd'hui qui a 2200 salariés, dont une large partie est en France. C'est pas rien quand même pour la région de Calais. Grâce au tunnel, le Nord-Pas-de-Calais est devenu la seule région française à avoir deux gares internationales, l'île Europe et la gare de Fréthun-Calais, desservie par l'Eurostar. Le centre Ralille est aujourd'hui le troisième quartier d'affaires de France, après La Défense à Paris et La Part-Dieu à Lyon. C'est l'île, en quelque sorte, qui sort grand gagnante du tunnel sous la Manche. Et dans une région, lorsque la principale ville devient métropole, on peut considérer qu'il y a progrès, avancée, optimisme. En 20 ans, plus de 300 millions de personnes et 55 millions de véhicules ont été transportés par ce serpent des mers. Et ce n'est que le début. Car le tunnel est encore aujourd'hui un projet en constante évolution. Le tunnel est utilisé à peine plus que la moitié de sa capacité. 2/3 pour nos navettes, le shuttle, 1/3 pour les trains à grande vitesse Eurostar. Je souhaite que ceux dont c'est le métier, les opérateurs ferroviaires, saisissent cette chance extraordinaire du tunnel sous la Manche pour ouvrir des liaisons avec le Benelux, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec l'Italie. Il y a un potentiel considérable. À l'avenir, le tunnel pourrait assurer des liaisons directes entre Londres et Amsterdam, Londres et Francfort, et peut-être même la Suisse. Les villes de Londres et Genève pourraient être reliées en seulement 4h30. Mais pour les bâtisseurs, le tunnel sous la Manche n'est pas seulement le meilleur système de transport au monde, il représente la fierté de deux pays, et surtout, un exploit technologique et humain, à une époque où personne n'y croyait. Welcome in France. Il est là, le tunnel, et tout le monde trouve ça normal. C'est le projet du XXe siècle. Il n'y a rien eu de comparable ces 100 dernières années. Ça me fait chaud au cœur de savoir que beaucoup d'enfants disaient à Calais, c'est mon papa qui a fait le tunnel. Ça, pour moi, c'est une réussite formidable. Hein. Je suis entré dans l'histoire et on ne peut faire ça qu'une seule fois dans sa vie. J'ai ma petite place dans l'histoire et personne ne peut me la prendre. Je crois que c'est très important, d'abord pour moi, pour ma famille, mais aussi pour le tunnel sous la Manche. Les politiques avaient fait le papier, mais eux, ils ont fait la chose. Et c'est beaucoup plus fort.